Bonsoir. Alors, euh, au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Colline, euh, nous vous souhaitons euh, vraiment la, la bienvenue ce soir pour euh, cette, euh, ce moment que l'on va passer ensemble dans les yeux de David Grossman. Alors, euh, c'est un moment évidemment euh, qui, euh, qui est d'autant plus euh, important. Qui, euh, qui l'ouvre euh, une aventure qui va, euh, telle que nous l'avons décrit euh, dans l'Almanach du Théâtre de la Colline, qui va ouvrir donc, une aventure qui va durer un an et demi jusqu'à la fin euh, de l'année 2018. Et c'est ce premier événement, c'est cette première rencontre. Euh, J'espère qu'au cours de la soirée, euh, on arrivera à entendre. Euh, euh, la portée euh, symbolique au-delà de tout ce que l'on va dire, qui va toucher la littérature évidemment, et le travail, l'œuvre de David Grossman. Euh, C'est un événement aussi qui euh, ouvre l'automne, euh, une manière de fêter l'arrivée de l'automne, et euh, une manière que l'on reproduira, que l'on refera à chaque automne par une rencontre avec euh, un auteur majeur de la littérature. Euh, Aujourd'hui, nous, nous serons donc dans les yeux de David Grossman. La semaine prochaine, nous serons dans les yeux de et euh, pour une rencontre qui sera animée par François Bunel. Et euh, la semaine suivante, encore à la MC 93 à Bobigny, nous, serons dans les, euh, nous tomberons à ce moment-là dans les yeux de Leonora Miano. Donc une manière d'ouvrir l'automne par la littérature, par l'écriture romanesque souvent, mais où le théâtre, évidemment, ne sera jamais très très loin. Alors. Euh, ce que je dois vous dire aussi, c'est que euh, nous avons, euh, pour ce soir, pour cette rencontre avec euh, David, euh, c'est une aventure qui, qui a commencé il y a quelques, presque un an maintenant, euh, qui va se dérouler sur trois jours. Aujourd'hui, il y a cette rencontre, cette discussion, et demain et après-demain, il y aura la... Euh, la enfin la captation en direct. Quand je dis en direct, ce ne sera pas retransmis en direct, mais elle se fera là, devant le public, de une adaptation de son dernier roman, Un cheval entre dans un bar, avec Jérôme Kishner, qu'on verra donc demain et après-demain. Donc ces trois jours, ces trois jours avec David Grossman sont nés d'une conversation avec Sandrine Trainer qui est avec nous aujourd'hui ici évidemment parce que c'est vraiment né de notre conversation Sandrine qui est la euh, directrice de France Culture avec qui on a un partenariat très important et d'autant plus formidable qui qu s'est articulé de manière très naturelle par des conversations autour de la littérature. Alors avant de poursuivre, je, je, tenais, je tenais vraiment à lui euh, laisser la parole pour qu'elle vous dise deux, trois mots, parce que c'est un partenariat qui, euh, qui est, qui est au-delà du simple mot de partenariat. Alors euh, euh, Sandrine, si tu veux bien raconter ce que tu as envie de raconter. <laughs> euh, merci beaucoup. Je dis bonjour, euh, bonsoir euh, à toutes et à tous. Euh, Peut-être être très bref, vous dire que... Euh, c'est vraiment comme dans un rêve, c'est-à-dire quand on a pensé à quelque chose depuis très longtemps et qu'on y a tellement pensé, tellement pensé, tellement pensé, et puis ça finit par, euh, ça finit par arriver. Alors si on rembobine simplement euh, un tout petit peu l'histoire, c'est une véritable rencontre entre... Alors en fait il y a deux femmes. Blandine Masson qui est la directrice de la fiction de France Culture et qui va réaliser... Euh, qui a écrit et qui va réaliser l'adaptation euh, demain soir euh, d'un cheval entre dans un bar, le dernier roman de David Grossman, pour lequel il a eu euh, l'International Man Booker Prize il y, a, il y a quelques mois, ce qui lui vaut une vie de dingue, si j'ai bien compris. Et, et on est d'autant plus heureux de l'avoir ce soir, qui fait le tour du monde. Sa vie a complètement changé suite à ce... Suite à, suite à ce prix, euh, donc Blandine Masson et moi-même, deux femmes qui font se rencontrer deux hommes. Je ne sais pas si c'est caricatural ou pas comme affaire, euh, mais pas totalement, parce que Blandine est une artiste aussi, alors peut-être c'est pas totalement caricatural. Mettons simplement qu'il y a quelques années. Euh euh, mon très grand goût pour la littérature de David Grossman euh, m'avait amené à faire se rencontrer Blandine Masson et David autour d'un roman essentiel de David Grossman que vous irez lire demain, forcément, parce que vous êtes obligé de le lire demain, parce que demain soir, vous viendrez voir Un cheval entre dans un bar, et dimanche, c'est Un cheval entre dans un bar que vous allez lire. Donc demain soir, vous a, demain, vous allez commencer à lire « Une femme fuyant l'annonce ». Et on a conçu une première adaptation que Blandine a faite au Festival d'Avignon, dans le lieu de France Culture. C'était il y a trois ans, en présence de, de David. Ça a été un moment très fort. Et quand j'ai rencontré Wajdi, parce que Blandine Masson m'a dit « Il faut vraiment que vous vous rencontriez, vous deux ». Alors, euh, on a parlé de littérature, on a très vite parlé de David. On a très vite eu envie de vous réunir ce soir euh, de nous réunir tous ensemble autour de ces deux hommes qui ont en commun un certain nombre de choses en particulier une manière exceptionnelle d'utiliser les mots les utiliser à l'écrit mais comme vous allez voir les utiliser à l'oral ce sont deux hommes dont quoi je peux dire devant eux qu'ils euh, n'utilisent jamais les mots pour ne rien dire j'ai bien compris qu'ils allaient les utiliser ce soir pour dire euh, énormément de choses. En tout cas, moi, je m'arrête là. Euh, je suis très heureuse. C'est comme dans un rêve. Merci beaucoup. Merci. Euh, comme tu veux. Tu peux rester. Tu peux. Très bien. Voilà. <laughs> euh... Si parmi vous il y en a, y en a qui ont assisté l'année dernière à la rencontre que nous avions faite avec Salman Rushdie, vous, vous vous souvenez sans doute de la présence aussi de, de personnes comme aujourd'hui qui étaient de, de la génération euh, qui arrive. Et euh, il était très important, très très important, d'autant plus euh, euh, l'œuvre de, de David est, est en lien aussi beaucoup avec la question de l'héritage qu'il y ait cette génération là présente avec nous sur le plateau pour qu'elle puisse prendre part aussi à la conversation. Alors euh, vous allez voir, ils sont ils sont là, je vais vous les présenter rapidement, enfin je vais juste dire leur nom puis ensuite on, on commencera à discuter mais c'est important de les nommer. Donc Mathis, alors c'est dans l'ordre hein, que vous allez voir, voilà. Mathis Brunto, Émilie Boutant, Thomas Zuani, Mathilde de Camille Protard, Mathieu Jamet, Jean Regla et Vincent Pavageau. Donc, euh, ils sont pour la plupart des étudiants en lettres, des étudiants en théâtre. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont passé l'été dans l'œuvre de David. On s'est rencontrés à plusieurs reprises pour échanger ensemble, échanger pour euh, essayer d'extraire vraiment les questions qui les intéressaient, pour qu'ils puissent aujourd'hui, euh, d'une manière assez. Euh, enfin, on verra comment ça va arriver, qu'ils puissent euh, les poser euh, à David euh, au, au cœur de cette conversation. Alors. Euh, c'est évidemment. Alors, euh, c'est très très émouvant pour moi de, de t'accueillir dans ce théâtre que j'ai le privilège de diriger. Euh, c'est un privilège de diriger un théâtre comme celui-là. Et euh, cette cette programmation est la première que je fais de bout en bout. Et pour moi, c'est très très émouvant. Euh, qu'elle commence avec toi. Pour deux raisons. Euh, la première raison, et on va dire que c'est la raison la plus importante, c'est à cause de ton œuvre, à cause de l'auteur que tu es et de ce que tes romans ont produit sur moi comme lecteur et aussi comme artiste. Euh, mais ça, on va évidemment en parler. La deuxième raison, je, je vais l'évoquer et elle va ouvrir la conversation, elle va me mener vers la première question. C'est que évidemment, euh, tous les deux, nous sommes quelque chose nous dépasse, quelque chose est au-delà de nous qu'on qu ne sait pas comment appeler. Peut-être on peut l'appeler l'histoire avec la grande H, euh, qui euh, très 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 concrètement dans nos vies font en sorte que euh, nous sommes des ennemis. Euh, nous sommes concrètement et véritablement ce que l'on peut dire des ennemis. Euh, très concrètement pour ma part qui suis libanais je n'ai pas le droit de t'adresser la parole euh, je n'ai pas le droit d'aller dans ton pays c'est écrit dans la loi de mon pays euh, de ton côté le pays qui est le mien euh, est le pays où euh, ton fils est mort donc euh, quand on parle d'ennemis on parle de, de réalité de réalité concrète. Pourtant, voilà, nous sommes côte à côte, nous sommes ici, on s'est rencontrés, on s'est reconnu au premier regard. Alors évidemment, euh, l'Almanach, le livre qui présente la saison, s'ouvre sur un texte que j'ai écrit qui s'appelle "Ode à l'ennemi. Alors pour moi, c'était important de commencer, et puis d'une certaine façon, on va pouvoir régler la question pour pouvoir parler d'autre chose après. Mais dans ton œuvre, dans, ta, dans tes prises de position, les lettres que tu as écrites dans les journaux, euh, les essais que tu as écrits où tu as pris position parfois contre la politique de ton pays, même parfois contre la manière d'être de l'armée de ton pays, et peut-être qu'on aura le temps de parler un peu de ce que, ce que cette armée représente, qui est si importante. Euh, parfois, tu as même pris position pour l'ennemi, les Palestiniens, par exemple. Ton œuvre est. Euh, euh, parsemé de, de, de phrases, de mots, on sent gronder aussi une solidarité réelle dans le contexte réel qui est la situation politique de ton pays. Euh, dans Un cheval entre dans un bar, euh, Dovalet, à travers un, un humour euh, terrifiant, terrible, évoque. Euh, euh, la manière avec laquelle on peut regarder les Palestiniens au checkpoint, par exemple. Euh, et euh, avec, un, on l'entendra demain, avec un humour euh, euh, extrêmement euh, puissant, ravageur, cynique même. Et tout ça traduit quand même une, un questionnement continu, évidemment. Euh, tu, euh, tu fais partie de ce qu'on appelle le, le, le camp de la paix. Tu œuvres pour la paix. Mais en même temps, tu. Euh, tu es extrêmement attaché, évidemment, tu es extrêmement attaché à, à, la, à, la, à la survie et à la vie de ton pays. Donc ma question, ma première question, peut-être elle pourrait s'ouvrir de cette manière-là. Comment, euh, comment vivre dans ce paradoxe comme artiste, où tout en étant extrêmement patriotique, est extrêmement attaché à l'existence du pays, le défendant, tu as fait l'armée, tu l'as défendu, en même temps... Dans ton œuvre, être dans un rapport de solidarité constante avec ceux et celles qui sont de l'autre côté. Comment euh, ce patriotisme et cette solidarité opposée se vit-elle Comment elle s'inscrit dans ton dans ton travail Est-ce qu'elle s'inscrit Est-ce que tu y penses quand tu écris Et qu'est-ce que c'est que quelle présence l'ennemi a dans, ta, dans dans ta vie Thank you. Wajdi, uh, shalom, uh, uh, merci, Wajdi. Uh, tout d'abord, Shalom, bonsoir. Uh, je suis très heureux d'être ici et très heureux également de voir tous ces visages devant moi. אני מסתכל עליך ואני לא רואה אויב, אני רואה פנים של בן אדם מאוד סימפטי ורגיש. כדי לעשות מישהו לאויב שלנו, אנחנו קודם כל חייבים למחוק את האנושיות שלו. אם נרגיש שהוא אנושי כמונו, יהיה לנו קשה מאוד להילחם בו. לכן ה... הצעד הראשון שבו מדינה הופכת מדינה אחרת לאויב היא מחיקת האפיונים האנושיים של, של המדינה הזאת. רק ככה יהיה אפשר להילחם בה. Quand je te regarde, eh bien je ne vois absolument pas un ennemi en toi. Ce que je vois, c'est un homme sensible, un homme sympathique. Et pour faire de quelqu'un un ennemi, il faut tout d'abord commencer à effacer de lui toutes les caractéristiques humaines, de le rendre inhumain. Parce que si on sent l'humain dans l'autre, eh il est très difficile de commencer à lui faire la guerre. Et la première chose que les États font justement lorsqu'ils veulent faire la guerre à un autre État, eh bien, c'est essayer de rayer tout ce que l'autre peut avoir d'humain. Bien qu'en Médina, n'implique pas de mettre en, en mille chama et Médina arrière, il corrète la Médina arrière, des choses comme Miflatsot, Satan, Tat Adam, et il est. מאמינה בזה והיא גורמת לאזרחים שלה להאמין בזה ויש מערכת שלמה של חינוך, של עיתונות, של אופן של התייחסות שהמערכת הזאת גורמת לחברה שלמה לראות בחברה שעומדת נגדה כמעט שטן. Se trouve en état de guerre avec un autre état, et eh bien à ce moment-là, il commencera à appeler de tous les noms l'autre pays. Il l'appellera monstrueux, il l'appellera satanique, il l'appellera moins que rien, et il y croit même. Et il veut également faire de sorte que ses citoyens y croient, et ses citoyens y croient aussi.

Il me semble que si quelqu'un efface l'autre de cette manière-là et efface ses caractéristiques humaines, eh bien, il les efface également en lui-même. Je pense que le פועלים בצורה לא אנושית. אני לא מדבר על סוג כזה של אויבים. אני מדבר על היחסים שנמצאים למשל בין ישראל לבין הפלסטינים. שאלה יחסים של שני עמים שנקלעו לסיטואציה שבה הם מאבדים תקווה, שבה הם מתמכרים לייאוש, ושבגלל הייאוש הזה וחוסר התקווה הזה, הם מתחילים לשנוא זה את זה. ולמחוק זה את זה, ולשלול זה מזה את האיכויות האנושיות. ובמקרה הזה, אני חושב שחשוב מאוד לעשות את המאמץ של התודעה ושל הרגש, ולראות את האויב שלך כבן אדם. לראות אותו כאנוש. ומרגע שאתה עושה את זה, מרגע שאתה מרשה את זה לעצמך,

Je pense que les nazis ne se sont pas comportés de façon humaine. Je pense que la manière dont opère Daesh aujourd'hui n'est pas humaine. Ce n'est pas de ce type d'ennemi que je parle. Je parle plutôt des relations qu'il peut y avoir entre Israéliens et Palestiniens. Voilà deux peuples qui sont en quelque sorte tombés et arrivés dans une situation qui fait qu'ils ont pratiquement perdu tout espoir qu'ils ont abandonné, qu'ils sont vraiment désespérés. Et c'est peut-être à cause de cela que la haine est venue effacer les caractéristiques humaines de l'autre. Et dans ce cas-là, il est extrêmement important d'ouvrir une porte à la conscience et à la sensibilité, à l'humanité de l'autre. Et si on ne le fait pas, je pense qu'il est absolument possible, impossible d'avancer. Il faut commencer par cela. À ce moment-là, peut-être une réconciliation sera-t-elle possible, mais il faut faire entrer en son cœur les caractéristiques humaines de l'autre. Sans cela, rien n'est possible. Et je pense que de que nous, l esprit, l esprit de לפעמים גבר יכול לכתוב מנקודת מבטה של אישה, זקן יכול לכתוב או ליצור מנקודת מבט של ילד, וישראלי יכול לכתוב מנקודת מבט של פלסטיני. כי אם אנחנו לא מרשים לעצמנו לראות את העולם וגם את הסכסוך, גם בעיניים של האויב שלנו, בסופו של דבר אנחנו לא מבינים את המצב שבו אנחנו חיים. אנחנו רואים רק חלק קטן, אחד, של התבוננות בסכסוך הזה. אנחנו בעצם לא במגע עם המציאות, ולכן גם לא נהיה מסוגלים לפתור את הסכסוך הזה, כי אנחנו כל כך שבויים בנקודת המבט שלנו, כל כך מאובנים בנקודת המבט שלנו, ולכן הכוח הגדול של אומנות ושל תיאטרון וספרות וקולנוע זה... בזה שאנחנו מאפשרים לנרטיב, לסיפור של הצד השני, של האויב, לחלחל אל תוך הסיפור שלנו. זה לא מבטל את הזהות שלנו, זה לא פוגע בה, זה לא מקטין אותה. זה עושה רק דבר אחד חשוב, זה מביא אותנו במגע עם המציאות המלאה, עם הסיפור המלא, כמו שאנחנו רואים אותו, כמו שהאויבים שלנו רואים אותו. ואולי פעם בעתיד,

de comprendre les choses via également les yeux d'un autre, de nous mettre à la place de l'autre. Ainsi, un auteur, un homme peut écrire en jeu de femme. Ainsi, un vieux peut écrire l'histoire d'un jeune. Et ainsi, un Israélien peut également se mettre dans la peau d'un Palestinien et écrire de ce point de vue-là. Alors, si on ne se permet pas justement, de voir le conflit de cette manière-là, à ce moment-là, on n'est plus vraiment en contact avec la réalité globale. On ne voit qu'une seule partie de la réalité. Et on ne peut pas résoudre de conflit si on n'a pas vraiment de contact avec toute la réalité du conflit. Et à ce moment-là, si on ne le fait pas, on s'enferme dans un point de vue. Alors le théâtre, le cinéma, etc., Permettent justement de laisser rentrer le narratif de l'autre dans notre propre identité. Et c'est quelque chose qui ne diminue et qui ne réduit en rien notre identité à nous, mais cela nous permet au contraire d'avoir une prise sur la globalité de la réalité. Et à ce moment-là, l'ennemi aussi, s'il le fait, eh bien, il n'est plus tellement ennemi. Et il y a peut-être une possibilité, si on conjugue ces points de vue globaux que nous avons, de se rapprocher d'une solution du conflit. Merci. Je veux juste dire, quand vous avez parlé, j'ai entendu le mot narrative que j'ai dit. Et je n'aime pas ça. Je pense qu'une narrative est une histoire qui a été uh, and et qui devient une to pour la société. Uh, and i think what we can do and should do and now i speak in english to speak directly to you is really to 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 melt the narrative and to make it a story again a story with all the contradictions with all the cracks in our own identity with all our fears and hatred and weaknesses and pride and dignity all this and then the story is alive and then

Oui, alors j'ai entendu dans la bouche de l'interprète le mot narratif que j'ai prononcé moi-même et finalement je l'aime pas parce que finalement je pense qu'il s'agit d'histoire. Le narratif c'est quelque chose qui semble être un petit peu gelé et on est piégé soi-même si on s'en tient uniquement au narratif. Euh, donc je pense que ce narratif, eh bien on peut le changer et on peut le faire une, en faire une histoire, une histoire réelle avec toutes les contradictions que cela peut comporter, toutes les peurs, les dignités, les fiertés. et à ce moment-là, eh bien, on arrive à avoir des vrais êtres humains et on arrive peut-être à faire de sorte que les deux histoires, telles que je les ai décrites à l'instant, se rencontrent. Euh, alors, euh, avant euh, lorsqu'on s'est rencontrés... Euh, on a, on a, C'est vraiment passionnant parce que quand on s'est rencontrés, on s'est posé beaucoup de questions hein, euh, autour de, des, des trois œuvres euh, qui sont euh, euh, Une femme fuyant l'annonce, euh, Tombée hors du temps et euh, le dernier que vous avez écrit, Un cheval entre dans un bar. Et euh, euh, l'un euh, d'entre vous, je crois que c'est, euh, enfin vous me direz c'est qui, mais quelqu'un a, euh, a évoqué cette question de la nécessité du récit, que dans les trois romans il y avait que il y a la nécessité du récit de l'auteur, mais qui met en scène lui aussi des personnages qui sont dans la nécessité du récit. Euh, je ne vais pas poser la question à, la pla à sa place. C'est Matisse euh, 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 Peut-être justement la, euh, nous, nous raconter comment tu as fait ce chemin pour arriver à cette question et qu'est-ce qui t'a et puis ensuite de la poser tiens euh, tout simplement. Alors j'ai ressenti dans, dans ces trois romans en les lisant euh, dans les personnages euh, une nécessité de raconter comme pour survivre dans tomber hors du temps euh, tous les personnages ont besoin de mettre des mots sur leur deuil. Euh, dans Une femme fuyant l'annonce, on a Aura euh, qui veut parler de son fils euh, comme pour le, le, le faire vivre et pour survivre encore elle-même. Et d'ailleurs, euh, on la voit un moment euh, écrire frénétiquement. Euh, dans Un cheval entre dans un bar, euh, on a ce, ce Dovalet qui est sur scène, euh, donc, donc qui, qui s'ouvre et qui, qui veut raconter aussi sa vie, euh, malgré que le public ne soit pas toujours attentif. Mais, mais euh, il veut raconter sa vie et d'ailleurs il a besoin d'un juge en face de lui pour lui raconter sa manière d'être au monde. Et, et ça m'amène à, à cette question de d'où vient cette nécessité de raconter euh, quand la mort s'approche et, et peut-être est-ce qu'il y a un lien, et, et s'il existe, quel est ce lien entre l'écriture et la mort a very good question יש כמה דרכים שאני יכול לענות על השאלה הזאת, אז אני אבחר אחת או שתיים מהן. הצורך לספר והצורך להקשיב לסיפור זה צורך ראשוני ובסיסי מאוד של בני אדם. Uh, אני חושב על, על עצמי ועל uh, uh, אשתי כשקראנו סיפורים לילדים שלנו שהם היו מאוד קטנים. ברגע שהייתי מתחיל לומר פעם אחת היו היה חתול, you, you, you understand אתם <laughs> כבר מבינים מיד From my voice you understand immediately that I'm telling you a story and you started to close your eyes and to fall asleep. ההרגשה של ילד קטן מאוד, צעיר מאוד, שהאבא או האימא שלו מעבירים אותו עכשיו למציאות אחרת, שהיא לא בדיוק המציאות שהוא מכיר, שיש בה דמויות שהוא לא פגש אבל הוא רוצה לפגוש. ויש לה מנגינה, מלודי כזה מיוחד, שהוא לא לגמרי מציאותי, אבל אפשר בכל זאת להפוך אותו לחלק מהמציאות של הילד. הצורך הזה לדעתי תמיד יישאר, ולכן גם כששואלים אותי לפעמים, מה יהיה העתיד של הספרות היום כשהכל, כל, כל הזמן הפנוי שלנו הולך לטלפון הסלולרי ולמשחקי המחשב שלנו ולכל הפיתויים שה... עולם הדיגיטלי מציע, אני אומר אל תדאגו, הצורך הזה העצום יישאר, הוא ישנה קצת את הצורה שלו, אבל העניין של לספר סיפור, לדעתי כל עוד יש בני אדם הוא יימצא. אבל יש לי עוד תשובה אחת, אבל קודם ניתן למרגיד לתרגם. Uh, je pense que Une ou deux. Ce besoin de raconter des histoires et d'écouter des histoires est, à mon avis, un besoin tout à fait basique, un besoin de base et fondamental de l'être humain. Je, je me souviens que lorsque ma femme et moi nous euh, lisions des, des histoires à nos enfants quand ils étaient petits, alors ça commençait toujours par Il était une fois, il était une fois un chat. Et je vois très bien que vous entendez déjà au son de ma voix que je suis en train de vous raconter une histoire. Vous fermez les yeux et vous êtes sur le point de vous endormir. Donc, la sensation et ce que ressent euh, cet enfant, très jeune encore, euh, lorsque papa et maman lui racontent une histoire, c'est qu'il l'emmène en fait dans une autre réalité. Il l'emmène dans une réalité où il va rencontrer des personnages qui ne sont pas vraiment réels mais qu'il peut quand même emporter dans sa propre réalité le tout accompagné également par une mélodie qui n'est pas tout à fait réelle mais qui le poursuit euh, pourtant et cette sensation là elle reste dans l'humain par la suite alors aujourd'hui on se pose souvent la question quel sera l'avenir de la littérature dans ce monde où le téléphone portable est tout le temps utilisé, euh, dans ce monde numérique Moi, je pense que ce besoin fondamental, il restera et il devra être satisfait, peut-être sous d'autres formes, mais il devra être satisfait tant que l'être humain restera l'être humain. Et je vais poursuivre. אתה שאלת על הקשר בין הכתיבה והחיים, הכתיבה והמוות. אנחנו הרי לא יודעים מה, מה קורה אחרי שאנחנו מתים. ואם מישהו אומר לכם שהוא יודע, אתם יכולים לפקפק בזה. לאנשים דתיים יש האמונה שלהם בעולם שנמצא אחרי החיים שלנו. Uh, אני אדם חילוני, אני אדם לא מאמין ולכן אני לא יכול ליהנות מהתקווה או המשאלה הזאת. אבל אני יודע דבר אחד, שבעולם שלי, בעולם של אדם חילוני לא מאמין, הדרך הטובה והעמוקה ביותר לדעת טיפה, לנחש משהו מהטוטליות המוחלטת של העין, של ה... לא להיות. הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים קצת לגרד את העטיפה, את המעטפת החיצונית של מה שמבדיל בין כאן לשם, הדרך היחידה הזאת בשבילי היא דרך האומנות. זה לכתוב ספרים, זה להקשיב למוזיקה, לראות תיאטרון, סרטים טובים. האומנות, כשהיא טובה, כשהיא רצינית, מביאה אותנו באמת למקום שבו באיזה אורח פלא מסתורי חיים ביחד או נמצאים ביחד החיים בכל תוקפם ועוזם בכל האנרגיה העצומה והנפלאה שלהם והעין באלף ההיעדר המוחלט המשתק התהומי ואני חושב שבכל יצירת אומנות גדולה שאני קראתי בחיים שלי או שראיתי אותה כסרט, או ששמעתי אותה כמוזיקה. היצירה הזאת התרחשה בדיוק במקום הזה, הפועם של המגע המוחלט בין היש המוחלט והאין המוחלט. qui peut exister entre l'écriture et la vie et l'écriture et la mort. On ne sait pas ce qui se passe après la mort et si quelqu'un te dit qu'il le sait, eh bien, euh, bon, tu crois ou tu ne crois pas. Les euh, gens qui croient en Dieu, les religieux, eh bien, eux, ils croient qu'il y a une vie après la mort. Moi-même, euh, je n'ai pas... Pas ce sentiment, je ne suis pas religieux, donc je ne peux pas non plus me réjouir déjà de ce qu'il y aura peut-être dans l'au-delà. Par contre, je crois que dans notre monde, on essaye quand même d'avoir un petit peu d'emprise sur ce qui va se passer, c'est-à-dire, ou du moins essayer de le toucher d'une certaine manière. Je crois que la euh, chose euh, qui nous approche de cette réalité-là, euh, qui concerne également le non-être, la seule manière de s'approcher de cela, même si c'est de façon très superficielle, mais de le toucher un tout petit peu, c'est à travers l'art. L'art, que ce soit la littérature, le cinéma ou le théâtre, lorsque l'art est bon, eh bien euh, je pense qu'à ce moment là se passe ce miracle mystérieux qui nous permet peut-être un petit peu de nous approcher de l'essence même de l'énergie de la vie et euh, donc aussi de euh, ce que la création peut apporter, de tout ce que la création peut apporter et que lorsqu'il y a cette énergie là qui se dégage, à ce moment-là, eh on est peut-être au plus proche de cette limite entre l'être et le non-être. Alors, vous venez de dire, enfin, euh, euh, tous les deux, enfin, euh, tu viens de dire quand l'art est bon. Euh, évidemment, lorsqu'on commence un roman, lorsqu'on s'attelle à l'écriture, on, on, est, on, est tiré, on est tiré, par le désir du, le mot est fort mais on peut le dire, euh, par le désir du sublime. Euh, on est tiré vers le désir que ce soit bon, que ça en vaille la peine, que ça ait un, un mouvement. Enfin, il y a un désir là-dedans qui est qui est là. Si on, on, par exemple, si on aborde le dernier roman que vous avez écrit, un cheval entre dans un bar. Ma question, elle est multiple. Vous pourrez choisir, tu pourras choisir un peu ce qui te fait le plus plaisir pour répondre de la manière avec laquelle tu as envie de rentrer. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avant que tu commences à écrire Est-ce que le roman, d'une certaine manière, se présente à toi, tel un, une ombre, une sensation, une impression, qui te dit Bonjour David, je suis ton prochain roman. Euh, voilà, salut, c'est moi. Euh, et euh, tu te dis bon ben il va falloir qu'on discute un petit peu. Est-ce que et donc comment ça se passe -ce, euh, Comment ça se passe avant que euh, tu t'installes et que tu commences à écrire euh, Et puis euh, euh, donc ça, qu'est-ce qui se passe avant Ensuite, euh, dans ce roman, dans ce roman qui est en effet un roman de forme de. Euh, de pièges que Devalé se pose à lui-même en invitant euh, Avishai Lazare à l'écouter pour, comme, comme Matisse a dit, porter sur lui un, un regard de l'autre. comme C'est comme un Hamlet qui, euh, qui est aussi le roi, qui essaye de se prendre à son propre piège. Euh, comment comment l'écriture s'est déployée Et euh, troisième pan à ma question, qui fait un lien avec les deux autres romans qui l'ont précédé, euh, une femme fuyant l'annonce, est tombée hors du temps. Les trois romans mettent en scène euh, des personnages qui fuient, qui fuient, qui fuient mais d'une manière tout à fait particulière, comme un, comme un enfant qui se cache sous sa couverture. Euh, euh, Dovallet raconte que... Au moment où il va rentrer dans l'endroit où on l'emmène pour euh, euh, voir un corps, il ne sait pas quel est ce corps, il a juste peur que ce corps soit le corps de, de quelqu'un qu'il aime profondément, il, il dit, et là j'ai fermé les yeux en me disant que quand je vais les ouvrir, ces gens que j'aime seront là et je serai sûr que ce ne sera pas eux. Et la manière avec laquelle tu as écrit ça, on a l'impression d'un enfant. On peut dire aussi que c'est un peu ce qui arrive à Ora dans le personnage de la femme qui fuit l'annonce. Elle part en se disant si je ne suis pas là, ça n'arrivera pas. Si je ne suis pas là, quand je vais revenir, cette nouvelle n'aura pas eu lieu. Euh, évidemment, dans tomber hors du temps, euh, c'est cette presque tentative de se perdre, dans, 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 de tomber à l'extérieur de la mémoire, de tomber dans l'oubli, mais paradoxalement en, se, en racontant l'espace de la douleur. Alors là euh, aussi la question, elle, tu pourras choisir à l'intérieur de ces trois questions que je te pose celle qui t'intéresse le plus ou de répondre aux trois. Euh, dans, dans un cheval euh, entre dans un bar, euh, ces liens là, est-ce que tu les as fait en écrivant Est-ce que tu t'es dit tiens c'est marrant le mot là-bas que j'écris dans un cheval entre dans un bar, il est tellement tellement présent ce mot là-bas, ce là-bas qui est le lieu du chagrin peut-être ou de ou, il est tellement présent dans ton B du temps. Est-ce que tu y penses en écrivant, ou alors ce sont, euh, ce sont des instincts qui t'habitent, qui sont au-delà de toi-même. Alors voilà, comment ça se passe avant, comment ça se passe pendant, et est-ce qu'il y a des liens qui se font avec ce que tu as fait juste euh, dans les romans que tu as écrits juste avant. We have time until midnight. <laughs> I understand. Et... אני אענה על חלק, לחלק ודאי אני לא אענה, אבל שאלת איך בא אליי סיפור. אה, באין סוף דרכים זה יכול להיות משפט שמישהו אומר, זה יכול להיות בתוך חלום שפתאום בא לי רעיון ואני תמיד ישן ומסביבי לידי יש עטים ואני כותב על היד באמצע הלילה את הרעיון שהיה לי בחלום ואז בבוקר אני, אני מסתכל בזה ככה ואני לא מבין מה כתבתי ואני מתעצבן על עצמי שלא השקעתי יותר. אבל דבר אחד אני רוצה שיהיה בספרים שאני כותב וזה ש... שהייתי מוכרח לכתוב אותם שהם בלתי נמנעים. ספרים נמנעים יש מספיק Uh, אני רוצה ספר בלתי נמנע, כי ספר בלתי נמנע יכול לקחת אותי מעבר לגבולות שלי ומעבר לפחדים שלי. Uh, זה הדבר. אני רוצה שיהיה בזה את האקוטיות, את ה-urgency הזה, שאני חייב לכתוב אותו, שהחיים שלי לא יהיו החיים שאני רוצה לחיות. אם אני לא אכתוב את הספר הזה. ולפעמים זה יכול לקחת שנה או שנתיים שבהם יש לי איזה רעיון, והוא רעיון טוב, אבל כיוון שאני לא מבין ולא מרגיש שהוא בלתי נמנע, אני לא יכול לכתוב אותו. רק אם הוא יביא אותי אל איזה מקום בתוכי שבו אני אהיה חייב לכתוב אותו כדי להבין את החיים, כדי להמשיך את החיים, רק אז אני אה, אתיישב באמת לכתוב אותו. מרגיד. Alors, on a jusque minuit. Bon, je vais essayer de répondre en partie, et peut-être en partie, je ne vais pas répondre à tout. Alors, euh, tu m'as demandé comment l'histoire m'arrive, comment elle arrive vers moi. Il y a beaucoup de... Moyens par lesquels elle arrive. Parfois, c'est juste une phrase que j'entends. Euh, parfois, c'est dans un rêve. Je pense à quelque chose. À côté de mon lit, il y a toujours des, des bics et un bout de papier. Je me réveille dans la nuit et je note l'idée. Et puis le matin, j'arrive absolument pas à comprendre ce que j'ai écrit et je m'en veux énormément de ne pas m'être mieux appliquée en pleine nuit pour écrire cette idée. Bon, alors une chose par contre que je veux absolument. Je veux absolument que le livre me soit indispensable et soit indispensable tout court. Parce que des livres dispensables, il y en a suffisamment. Euh, et ce n'est que lorsqu'un livre m'est indispensable, à ce moment-là, il peut me transporter au-delà de mes frontières, de mes propres limites, au-delà de mes propres craintes. Il faut que je ressente l'urgence d'écrire. Euh, l'urgence est la sensation que si je n'écris pas ce livre, à ce moment-là, je ne peux pas vivre la vie que je veux vivre et telle que je veux la vivre. Parfois également, ça prend un ou deux ans. Il m'arrive d'avoir une idée et je pense que l'idée est bonne, mais cela prend du temps jusqu'à ce que je me mette à écrire le livre parce qu'il faut justement que je ressente ce sentiment d'urgence, il faut que ce soit pour moi absolument vital pour continuer d'écrire ce livre. Et je לאנשים של הצבא שאולי יבואו לבשר לה שהבן שלה נהרג. היא בורחת מהבית, אבל זה לא ספר אסקפיסטי. להפך, בבריחה שלה היא עושה צעד של מחאה גם נגד המלחמה, גם נגד המדינה, גם נגד כל המערכות הגדולות האלה שבסופו של דבר טרפו לה את הילד. וכשהיא בורחת, היא מספרת את סיפור החיים של הבן שלה. היא מספרת על כל הרגעים הקטנטנים שמהם אנחנו יוצרים ילד בעולם, בן אדם בעולם הזה. על הרגעים הפשוטים, הביתיים, התמימים של ארוחת ערב ושל לעשות איתו שיעורי בית ושל הפעם הראשונה שאנחנו רואים את התינוק שזוחל, קם ועומד על הרגליים שלו. היא עושה את זה מתוך איזו תחושה שבזה שהיא מספרת את הסיפורים האלה היא מזריקה חיוניות וחיות, ויטליטי, לעורקים שלו בזמן שהוא נמצא בסכנת מוות מול פני המלחמה. היא מרגישה שבזמן שהאוויר מלא מילים גדולות של מלחמה וניצחון ופטריוטיזם וצבא, היא תשמיע את המילים האינטימיות ביותר, השבירות, העדינות ביותר, המילים של האימהות. זה הנשק שלה, זה הנשק היחיד שיש לה, זה הדבר היחיד שהיא יכולה לעשות. ולכן בעיניי המעשה שלה הוא לא אסקפיסטי, היא לא בורחת, אלא להפך, היא הולכת אל המקום היחיד שבו היא יכולה לנצח, ואולי אפילו, אולי, oui mais je voudrais également parler maintenant de, du personnage de Aura dans une femme fuyant l'annonce en fait elle, elle, elle ne fuit pas c'est pas un roman de escapiste un, un roman de fuite où on s'échappe euh, pour euh, elle, elle, elle s'en va de sa maison euh, pour que l'armée ne vienne pas chez elle pour lui annoncer que son fils est tombé. Elle fuit de chez elle, mais ce n'est pas vraiment un échappatoire dans son voyage. Bon il y a également euh, l'armée, tout le système, mais ce qu'elle fait avant tout, c'est raconter l'histoire intime de son fils. Elle raconte son fils, elle raconte euh, des détails, des petits détails qui concernent ce qu'est son fils. Des choses très simples, des choses qui ont attrait à la vie au quotidien dans une maison. Euh, le dîner, ou encore comment elle a fait les leçons avec lui, ou encore ce moment euh, où un enfant se met sur la, pour la première fois sur ses pieds et marche. Elle raconte tout cela. Euh, ces choses où euh, elle veut parler de la vitalité et du côté positif, justement. Et elle pense peut-être aussi qu'elle peut insuffler de cette manière-là de la vitalité et du positif à son fils au moment même où il est en danger de mort. Alors euh, voilà, c'est à une époque où on parle beaucoup de mots comme la guerre, la victoire, le patriotisme, l'armée et elle elle veut faire entendre les mots tendres les mots de l'intimité entre une mère et son fils et d'ailleurs c'est tout ce qu'elle peut faire elle à ce moment-là et en cet endroit et c'est tout ce qu'elle peut faire et c'est tout c'est le seul endroit où elle peut gagner et peut-être même sauver son fils est-ce que vous avez envie de poser une question oui vas-y donc, Thomas. Il ouais. oui. euh, y a plusieurs choses qui ont été évoquées déjà, euh, notamment la question. Euh, en tout cas, j'ai entendu le mot destin, j'ai entendu euh, euh, le mot paix. Euh, et en fait, euh, quand j'ai lu les romans, j'ai été marqué par une forme d'incertitude par rapport à l'avenir, par rapport au destin euh, des protagonistes et euh, au destin en général. Comme si, euh, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que j'étais invité à une, une réflexion, une sorte de méditation personnelle sur euh, notre destin. Euh, et, 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 et cette incertitude, je l'ai retrouvée par exemple dans un cheval entre dans un bar. Euh, euh, le Daouali raconte l'histoire du cheval qui entre dans un bar, mais finalement on n'aura jamais la fin de l'histoire. Euh, ou alors. Euh, Beaucoup d'incertitudes par rapport à euh, si Dovalet se met sur les mains, il sera invincible. Euh, beaucoup de, de, de si, pareillement dans Une femme fuyant l'annonce, euh, si Aura part, euh, son fils ne mourra pas. Euh, D'autres incertitudes par rapport, euh, par exemple, au, au moment où elle est contrôlée par un policier, euh, de, Aura parle dans, avec ces mots de l'arbitraire doigt, du, du doigt du policier qui la pointe. Si le policier la dénonce à son supérieur, alors elle sera arrêtée. Du coup, vraiment un cheminement de pensée par rapport à, à, à cette notion de l'incertitude face au destin. Et ce qui m'amène à, à me demander comment est-ce qu'aujourd'hui, on parle aux générations futures euh, de notre avenir, du destin. Et en rapprochant à la paix, est-ce que la paix est vraiment possible Est-ce que la réconciliation est vraiment possible Ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir twist question. תראה, שאלת אם יש תקווה שיהיה שלום. אני באופן אישי לא יכול להרשות לעצמי את הלוקסוס שבייאוש. אני חושב שגם כשהתנאים היום נראים לחלוטין בלתי אפשריים שיהיה אי פעם פיוס בינינו לבין הפלסטינים, Uh, אני מתעקש לראות ש, שיש תקווה, ותקווה מציאותית, לא תקווה נאיבית. אני לא חולם uh, ש, שהסיום הסכסוך יהיה כמו הסוף של איזה סרט בהוליווד שאנחנו והפלסטינים נלך יד ביד אל השקיעה, זה לא יהיה כזה. זה יהיה שלום פגיע ושברירי ו... ושלום פירושו פשרה מכאיבה, ופשרה מכאיבה פירושה הרבה מאוד קיצוניים, פנאטים, ישראלים ופלסטינים שיעשו הכל ש... מה שהם יכולים כדי להתנקש בשלום השברירי הזה. אבל גם מבחינה גיאופוליטית פשוטה, יש היום הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות אותם, ולצערי אף ממשלה, לא בישראל ולא במדינות ערב, לא עושה אותם. אני, אני מרגיש שלא כל כך מתחשק לי לדבר על זה היום, כי אפילו הדיבור בטרמינולוגיה הפוליטית הזאת לא מתאים, לא מתאים לערב הזה ולמה שבאנו לדבר. אבל אני רק אומר לך, ואחר כך אני רוצה להגיד מילה אחת על גורל, שאולי בזה יותר נוח לי לדבר, אבל קודם ניתן למרגית לתרגם. ודרך אגב, היא מתרגמת נהדרת. She's a wonderful translator. Et pour moi, c'est une sorte de leçon privée en français. Donc, vous pensez que je suis here ici et que je parle just learning Je suis en train d'apprendre tout le temps. Merci. Uh, quel virage dans ta question soudain à la fin, comme ça, elle a pris un tournant assez étonnant. Bref, uh, tu as demandé uh, s'il y avait uh, l'espoir pour arriver à la paix, d'arriver à la paix. Eh bien moi personnellement, je ne peux absolument pas me permettre le luxe de ne pas espérer. Même si aujourd'hui les conditions semblent être telles que l'on ne peut pas envisager de conciliation ou de réconciliation entre Palestiniens et Israéliens, personnellement, oui, je pense qu'il y a un espoir réaliste. Il n'y a pas euh, d'espoir... Euh euh, que tout cela se termine comme un beau film hollywoodien où les deux s'en vont main dans la main vers un beau coucher de soleil c'est pas ça euh, s'il y a un espoir c'est un espoir d'une paix qui sera basée sur un compromis douloureux un compromis difficile en sachant parfaitement que les fanatiques et du côté israélien et du côté palestinien vont tout faire pour éviter qu'il y ait ce compromis mais je crois justement que dans la situation géopolitique d'aujourd'hui, il y a des possibilités de faire des choses. Mais malheureusement, personne, aucun État ne les fait. Et d'ailleurs, ça m'énerve tellement. Je n'ai même pas envie d'employer ces mots ce soir, de parler de ça ce soir. Euh, je pense que ça n'a même pas sa place ce soir, ici, dans euh, ce qui se passe. Par contre. דודסטין, אני רוצה להגיד משהו על התקווה. דווקא בגלל שקשה כל כך לקוות במציאות שאנחנו נמצאים בה היום בין ישראל ובין פלסטין. תקווה קשורה מאוד בדמיון. בדמיון, את זה אני קצת מכיר. דמיון ותקווה זה שתי איכויות, או אפילו כמעט שתי תכונות אפשר להגיד, שנמצאות בתוכנו, אבל בסופו של דבר הן קיימות גם בחוץ. אנחנו מקווים למשהו, אנחנו מדמיינים משהו שנמצא מחוץ לעצמנו, מחוץ למצב שלנו. עכשיו, אדם או אנשים שנמצאים בתוך סיטואציה של עריצות, סיטואציה של כיבוש, סיטואציה של שיתוק, אה, הם כבר מאבדים את היכולת הזאת לקוות שיש מציאות אחרת, טובה יותר. אבל מי שמעז לקוות, הוא כאילו זורק מתוך עצמו אל תוך העתיד, הוא זורק עוגן כזה, ואז הוא מתחיל למשוך את עצמו אל המטרה שלו, אל העוגן הזה. מי שמעז לקוות בעצם אומר שיש בתוכו מקום אחד שאותו הכיבוש והעריצות והייאוש לא... לא הצליחו למחוק, שהוא זוכר איך זה לקוות, שהוא מעז לקוות, שהוא מעז להיות האדם הזה שיאמין שתיתכן מציאות אחרת. ובזה שהוא עושה את זה, בעצם הפעולה התודעתית, הרצונית הזאת, הוא כבר קצת משחרר את עצמו מהלפיתה החזקה, מהאחיזה החזקה והברוטלית של המצב העריץ, המשתק. Je voudrais également évoquer la notion de l'espoir, euh, je, je, justement parce qu'il est tellement difficile d'envisager aujourd'hui que l'on puisse espérer. Pour moi, l'espoir et l'imagination sont deux choses qui sont liées. Et euh, sur l'imagination, euh, là, j'en connais tout un rayon. Euh, je crois que ce sont deux sens, l'espoir et l'imagination, deux choses que nous avons en nous. Mais nous l'avons également vis-à-vis -vis de l'extérieur. On espère quelque chose qui nous viendrait de l'extérieur. On imagine des choses externes. Et il est vrai que les gens qui vivent... Sous l'occupation, qui sont complètement désespérés, qui sont paralysés, eh bien, à ce moment-là, ils ne peuvent même plus s'imaginer pouvoir espérer. Mais c'est justement là, il faut oser espérer. Il faut oser espérer. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme si on jetait un ancre et qu'on arrivait à s'attacher là, à se raccrocher et à arriver sur le rivage en se tirant sur la corde que l'on a jetée. Et c'est comme ça que l'on progresserait. Il faut oser espérer. Et si l'on ose espérer, cela permet également de ne pas perdre l'espoir et de croire à ce qu'une autre réalité est possible. Je pense qu'il faut être tout à fait conscient quand on fait ce choix. Il faut, faire cette, euh, il faut agir de façon consciente pour justement également se sortir de la réalité difficile, occupation, désespoir, paralysie. Il faut oser espérer. Euh, je, vais, je vais poser une question qui n'a rien à voir avec ce que l'on vient de dire à première vue. Alors, euh, cet été, j'étais en Grèce euh, et euh, pour les vacances et j'ai des amis euh, grecs et ça fait plusieurs fois que je vais en Grèce. Et juste, c'est cet été que j'ai eu l'idée de demander à cet ami Est-ce que les Grecs, quand ils sont au restaurant, est-ce qu'ils demandent en grec une salade grecque Est-ce qu'ils disent au serveur Je veux une salade grecque Parce que tous les touristes qui vont en Grèce disent a Greek salad please, et le serveur fait Greek salad comme si c'était normal. Et je me suis dit C'est étrange qu'on demande une salade grecque en Grèce. Parce que moi, par exemple, si je suis au Liban, ça serait étrange de demander un taboulé libanais. Euh, donc je lui demande ça et il rigole. Il me dit Bah non, bien sûr que non. En Grèce, on ne demande pas de salade grecque. On demande une salade paysanne ou une salade du village. Bon. Mais salade grecque n'existe pas. Euh, dans le même ordre d'idées, si vous allez à Bologne, il ne faut surtout pas commander de spaghetti bolognaise. Il faut pas. Ils ne vont pas vous comprendre. Ça n'existe pas. Le monde entier mange des spaghettis bolognaises, sauf les bolognais qui ne mangent pas de. Bon, c'est autre chose. Alors, évidemment, vous êtes en train de vous demander où je veux en venir. Euh, eh bien, je veux arriver à la blague juive. C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, j'ai un répertoire de blagues juives, et je, avec mes amis, parfois, on dit Ah, j'ai une, une bonne blague juive. Et là, on raconte une blague qui souvent est euh, Mais en scène, soit Dieu. Soit des rabbins, soit la mère. Bon. Euh, et là, en préparant cette rencontre, et surtout en, en, en lisant, un, un cheval entre dans un bar où l'humour est euh, décapant et, et, et constitutif du personnage de Dovalé. C'est son métier, il est stand-up. Mais venue une question complètement absurde que j'ose poser. Mais derrière cette question, évidemment, il y a une question peut-être un peu plus euh, profonde. Euh, Comment ça se passe en Israël Est-ce qu'à un moment donné, un Israélien dit à un autre ⁇ Ah, j'ai une bonne blague juive à te raconter <laughs> Est-ce que toute blague dite par un juif devient une blague juive Est-ce qu'il y a euh, donc une, un humour juif qui, euh, qui, euh, qui est, on va dire, méta-identitaire, euh, qui est au-delà de l'identité, qu'on soit juif ou pas, qui est une blague juive, qui est, Ça devient une chose qui réunit le monde. Et donc plus, de manière plus sérieuse dans ma question, quelle, quelle est cette constitution identitaire dans le personnage de Dovalet, qui est cet humour, lui qui fait tellement référence évidemment, et si régulièrement et dans, dans, dans un passage absolument poignant, un des plus, un des plus bouleversants que j'ai lu sur, 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 sur la Shoah, se trouve là, dans le récit qu'il fait de sa mère, ça tient en quelques phrases en quelques phrases, quand il raconte... Euh, je ne vais pas le dire, comme ça les gens pourront le lire, mais c'est quelques phrases sur les trois Polonais qui, euh, qui, entre guillemets, sauvent sa mère en la cachant dans un train. Euh, qu Qu'est-ce que... Voilà. Est-ce que vous avez rigolé en l'écrivant Est-ce que vous vous êtes fait rire vous-même en l'écrivant euh, Est-ce que vous avez espoir... Est-ce que tu as l'espoir... Pardon. Est-ce que tu as l'espoir du rire du, du lecteur et plus profond et même plus largement du spectateur c'est un roman qu'on va faire demain ici qui peut être très facilement adaptable au théâtre qu'est-ce que c'est l'humour euh, pour toi david comment il est vécu voilà enfin let me tell you a joke <laughs> <laughs> i'll tell it in english a horse walks into a bar <laughs> comes to the barman asks him can i have a chaser of vodka barman looks at him okay pours the vodka the horse drinks how much is that the barman says um, uh, 50 bucks 50 bucks, okay. The horse pays, goes to the exit. The barman chases him, runs after him. Excuse me, Mr. Horse, stop for a moment. It's amazing. I never saw something like that. A talking horse. So the horse looks at him and tells him, With your prices, you will never see again. <laughs> yeah. Je vais raconter une blague. Alors, euh, to je hear, to hear a joke twice, that's really... Mais entendre une blague deux fois de suite, okay. c'est terrible. Euh, alors, un cheval entre dans un bar et euh, demande une vodka. Et le barman, eh bien, il lui verse la vodka. Le cheval boit sa vodka. Et puis après, il demande au barman ça coûte combien Et le barman lui dit c'est 50 dollars. Mmh, se dit le cheval. Et euh, il paye, il sort, mais le barman lui court après et lui dit, écoutez, monsieur le cheval, c'est la première fois, c'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois un cheval qui parle. Et là-dessus, le cheval lui dit, avec vos prix, vous n'êtes pas prêt d'en revoir. Uh, ההומור היהודי באופן ברור הוא הומור הרבה יותר מעודן והוא בעיקר בנוי על אירוניה ואירוניה עצמית. ההומור הישראלי הוא יותר ציני ויותר ישיר ובוטה ולפעמים גם אלים. ואני חושב שמה שקורה לדוב הלבי, הוא מתחיל את הספר בהומור ישראלי מאוד, אגרסיבי מאוד, לפעמים גם וולגרי, ולאט לאט, ככל שהוא מספר לא את הבדיחות הרגילות שלו, אלא את הסיפור האמיתי של החיים שלו, גם ההומור שלו מתעדן, ולבסוף הוא בכלל מוותר, מוותר על ההומור. אני... אני יכול לדבר שעות על כל השאלות ששאלת, אבל אני אגיד דבר אחד קצר מאוד. בשבילי הומור זה חופש, ליבריטי. מי שנמצא במצב קשה, מי שלחוד בסיטואציה קשה ומסוגל לצחוק עליה, לצחוק על אלה שגורמים לו את הסבל הזה ולצחוק על עצמו, הוא אדם טיפה יותר חופשי. הוא מצליח... לנוע באיזה חופשיות בתוך מצב אה, קפוץ. אה, ו ולכן דובלה גם מרשה לעצמו לומר בדיחות על השואה, מפני שהוא היה קורבן של השואה, כי אימא שלו סבלה סבל נוראי בשואה. והוא אומר, כשצוחקים בעצם גם נושמים. ואת הנשימה הזאת הוא צריך, ולכן אולי הוא עושה את הבדיחות האלה. שחלקן, אני מודה, באמת מזעזעות, ואפילו היום נשאלתי באיזה ריאיון, איך זה יכול להיות שיש כזה פוליטיקלי אינקורקטנס בסיפור, ואני אמרתי, אני לא המורה של דובלה, לא הגננת שלו, לא העובד הסוציאלי ולא הפסיכולוג שלו, אני זה שמתעד אותו, אני צריך להיות נאמן לכל מה שהוא יכול לתת לי, ולכן הקשבתי לו וכתבתי. Alors, Dovela a à la fois un humour juif et un humour israélien. Euh, l'humour juif est certes beaucoup plus fin euh, et se base sur euh, l'ironie de soi-même euh, par rapport, il est plus fin par rapport à l'humour israélien, qui est un humour qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus droit et même parfois beaucoup plus euh, brut et euh, violent. Alors, dans le livre... Dans cette histoire, Dovale commence par l'humour israélien. Il est agressif, il est vulgaire, il est très brutal, mais peu à peu, au fur et à mesure qu'il raconte sa propre histoire, il y a aussi son humour qui s'affine un petit peu et au bout du compte, il renonce complètement à euh, l'humour. Je pourrais parler des heures pour répondre à tes questions. Pour moi, l'humour est également un genre de pain synonyme, mais pour moi, l'humour, c'est la liberté également. Lorsque l'on est dans une situation difficile et que l'on arrive à rire de soi et que l'on arrive également à rire de ceux qui vous mettent dans la situation difficile, eh bien, c'est un petit peu de liberté de gagner. Et Dovale, lui, il se permet de raconter des blagues sur la Shoah parce que lui-même en est victime. Euh, sa mère a souffert et euh, finalement il se dit si on rit, on respire. Et il a besoin de cette euh, respiration. Alors, encore aujourd'hui, on m'a posé la question dans une interview comment se fait-il que ce livre soit à ce niveau-là si politiquement incorrect Alors, j'ai dit moi, Dovele, je ne suis pas sa psychologue, je ne suis pas sa puéricultrice, je ne suis pas sa mère. Moi, je dois être loyal et fidèle à ce qu'est Dovale et c'est comme ça donc que je me suis comporté vis-à-vis de lui. Euh, il y a des... En ce moment, je crois, il y a une adaptation théâtrale qui a lieu à, euh, en Israël, je crois à Tel Aviv, au Caméry. au Cameri Théâtre, je crois. Et euh, comment comment la société israélienne euh, vit la rencontre avec Dovale Such a short. Je sais faire court aussi parfois. The show is uh, on stage now for 3 4 months and uh, it's very very well received. Uh, it is very well received. <laughs> what can I tell? It's it's really uh, I, I think people who watch it feels that it says something about them about being an israeli today about being a citizen of this conflict this everlasting conflict and also about the, the power of imagination and the power of humor uh, and uh, we found some interesting uh, directing solutions and I'm curious to see your work from uh, tomorrow and what you have done uh, in the adaptation of Blondine Masson, uh, and uh, to see Dovallet speaking in another language, not only French, but another language of another actor because every actor has his or her own uh, language. Uh, and okay. Euh, C'est un spectacle qui euh, joue maintenant déjà depuis 3-4 mois et il y a un très très bon accueil. Euh, voilà, euh, je crois que le, les spectateurs qui y vont, eh bien, ils s'identifient, ils voient là vraiment quelqu'un qui est israélien. C'est un spectacle qui parle d'eux, euh, qui parle des gens qui vivent dans ce conflit éternel qui ne s'arrête pas. Et euh, je, je, je crois qu'il y a effectivement également une certaine... Puissance qui se dégage par l'imagination et l'humour. Et on a également trouvé une mise en scène en Israël qui me paraît assez intéressante. Et je suis extrêmement curieux de voir maintenant l'adaptation de Blandine euh, euh, Masson. Et je suis également très intéressée euh, par le fait que je vais entendre Dovel parler dans une autre langue. Pas seulement parce qu'il parlera français, mais parce que ce sera un acteur et chaque acteur a son propre langage. profiter. Vas-y Camille. Oui. À la force de l'imagination. Thank you. Oui, parce que ça part d'abord de sensation de lectrice que j'ai eue à la fois dans Un cheval entre dans un bar et dans Une femme fiant l'annonce qui est un réel plaisir de lectrice à un moment donné dans les deux romans que j'ai eus où je me suis retrouvée comme complice avec le personnage. Au moment où Dovalet est sur les mains et au moment au début du roman Une femme fiant l'annonce où Aura prend cette décision a priori absurde de fuir et d'aller faire la randonnée en Galilée sans son fils. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée complice et je me suis demandé si justement ce plaisir-là d'être avec les personnages, il venait pas de cette insolence tout d'un coup, que le lecteur pourrait retrouver cette insolence-là. Et je me suis demandé si cette insolence, c'est ça qui donnait la force au personnage de résister contre justement un état ambiant. Et est-ce que c'est cette insolence-là que vous vivez aussi vous en tant qu'écrivain qu Est-ce que vous retrouvez ce, le plaisir dans l'écriture Enfin, euh, euh, est-ce que vous retrouvez à travers l'écriture cette insolence-là Et est-ce que c'est pour vous un moyen, du coup, de résister aussi, de, de protester comme aura contre l'état ambiant euh, euh, d'Israël de guerre Voilà. Et... אני מקווה שהבנתי את השאלה, אני, אני לא בטוח. תראי, בשבילי הכתיבה היא להבין את העולם שאני חי בו, ואני מבין את זה בדרך של לספר סיפור. וכשאני מספר סיפור, יש בו דמויות שהן שונות ממני, אבל הן מאפשרות לי זוויות מבט שהן הרבה יותר רחבות מהזווית מבט המצומצמת שלי. את, את אמרת, הזכרת שוב ושוב את הביטוי חוצפה, שאני קצת לא מבין אותו בהקשר של, ה, של הכתיבה, אבל יש, אני הייתי מחליף אותו אולי במילה איזה, במילה תשוקה, של... רצון חזק מאוד לגעת בחיים בכמה שיותר דרכים אפשריות, דרך כמה שיותר זוויות מבט. אני, אני אספר לך סיפור קטן. כשכתבתי את אישה בורחת מבשורה וכתבתי את הדמות של אורה, במשך כמעט שנתיים לא הצלחתי ממש להתקדם ולפרוץ ולהבין אותה ולדעת אותה, ממש לדעת אותה, כמעט במובן התנ"כי. ואז עשיתי מה שכל אזרח נורמלי היה עושה במצבי, ישבתי וכתבתי לה מכתב. פשוט ישבתי, לקחתי עט, נייר, כתבתי מכתב אל אורה. מה קורה, אורה? למה את לא מתמסרת לי? למה את נלחמת בי כל כך? תבואי אליי, תבואי לקראתי. ואני חושב שאחרי שלוש-ארבע פסקאות תפסתי איזה אידיוט אני. בעצם, זה לא היא שצריכה להתמסר לי. זה אני שצריך להתמסר לאורה. אני צריך להתמסר לאופציה של אורה בתוכי ולאופציה של אישה בתוכי. ומרגע שעשיתי את זה, היא פשוט זרמה לתוכי ומילאה אותי, והייתי רק צריך לכתוב אותה ולא להפריע לה. וזה דבר שהכתיבה מלמדת אותי פעם ועוד פעם ועוד פעם, שבכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה אפשרויות קיום. אבל בדרך כלל אנחנו אחרי גיל מסוים נקרשים, מתאבנים בתוך גוף אחד, בג'נדר אחד, בשפה אחת או שתיים שקובעות לנו את השקפת העולם שלנו, בחוש הומור אחד, בביוגרפיה אחת. והכתיבה מאפשרת את הדבר הזה שאולי את מכוונת אליו כשאת אומרת חוצפה, להעיז לחיות יותר. To be with capital B. L'yot Yoter. B'meile, a'olam mettsamtsem otano ve meraded otano. Hak'tiva, ha'omanout, ha'yetsira, hem ha'derech hachi tova shani makir liyot Yoter. J'espère avoir bien compris ta question même si je n'en suis pas tout à fait sûr pour moi, euh, l'écriture, c'est un moyen de euh, comprendre le monde dans lequel je vis, grâce à l'histoire que je vais raconter, grâce aux personnages que j'ai, qui me permettent justement d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs réalités. Et euh, donc, peut-être c'est cela que tu voulais appeler insolence, parce que tu as souvent dit ce mot insolence. Moi, j'aimerais bien le remplacer. Et dire passion, je suis passionnée, euh, au lieu de l'insolence, parce que il y a justement dans cette écriture la possibilité d'avoir plusieurs points de vue. Par exemple, une femme fuyant l'annonce pour Aura. Aura, eh bien, pendant deux ans, je n'arrivais pas à la comprendre. Je n'arrivais absolument pas à la comprendre, et euh, je voulais la connaître. Je voulais la connaître, même au sens biblique alors qu'est-ce que j'ai fait? j'ai fait ce que tout être humain ferait à ce moment-là. je me suis pris un bout de papier. j'ai commencé à lui écrire une lettre. donc après euh, je, je lui ai demandé dans cette lettre pourquoi tu ne viens pas à moi? pourquoi est-ce que tu te fais si difficile? Euh, et après trois, quatre paragraphes j'ai compris. ce n'est pas à hora de venir vers moi mais c'est à moi de venir vers elle. C'est le contraire. Et à ce moment-là, eh bien, aura était toute en moi. Cette femme était toute en moi, elle m'a complètement remplie et euh, tout ce qu'il fallait faire, c'est que je laisse couler sans trop la déranger. Donc je crois que tout un chacun de nous a tant de possibilités mais après un certain âge eh bien on a tendance à se contenter de la vie que l'on mène du genre que l'on a de la langue ou des deux langues que l'on parle et qui déterminent également la manière dont nous voyons le monde de l'humour que l'on a eh bien on a sa propre géographie et l'écriture l'écriture eh bien euh, c'est une autre manière d'être être avec un grand e et qui permet justement d'échapper à ce monde restreint, comme le permettent donc toute forme d'art et de créativité. Euh, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Euh, mais avant de conclure, David, je voulais savoir si toi, tu, tu avais envie d'évoquer quelque chose que... On ne t'a pas donné l'occasion d'évoquer parce qu'on ne t'a pas posé une question qui pouvait euh, ouvrir la voie vers quelque chose qui aujourd'hui t'importe pour toi à dire et à exprimer. Euh, donc pourrais-tu répondre à cette question qu'on t'a pas posée Je so much tonight אני אגיד דבר אחד על שאלה שאתה שאלת לגבי הגורל. דובלה בספר שלי הוא איש שחי כאילו במקביל לגורל האמיתי שלו וגם במקביל לאופי האמיתי האותנטי שלו בגלל דברים שקרו לו בילדותו, בגלל שהוא איבד את אחד מההורים שלו, אני לא רוצה להגיד בשביל לא לעשות ספוילר, והספר מספר על זה, ו... ונהיה יתום בגיל צעיר כל כך. אולי בגלל שהיה קשה לו להישאר הילד הטוב, הרגיש, העדין שהוא היה, והוא גידל לו שכבה של צלקת מעל הפצע של הילד שהוא היה, ולאט לאט הוא התרחק מעצמו. התרחק מהאדם שהוא היה יכול להיות uh, והסיפור הזה הוא, uh, סוס אחד נכנס לבר, הוא אולי על הפריבילגיה הגדולה שבחיים אנחנו לא תמיד מקבלים אותה, לחזור ולהתאחד עם האני האמיתי שלנו. בדרך כלל אנחנו פוגשים אנשים שאנחנו מיד מרגישים שהם חיים במקביל לחיים שהיו צריכים להיות להם. אנשים שלכודים בתוך קשר נישואים שלא מתאים להם, לא פה כמובן, לא, לא בפריס, פה אתם מושלמים, אבל במקומות אחרים בעולם. אנשים שכלואים בתוך מקצוע שלא מספיק להם, שלא מספק אותם, סליחה, ושגורם להם סבל ושעמום ושיממון. אנשים שלכודים בתוך ג'נדר שהוא לא הג'נדר הטבעי שלהם. בגלל שבני אדם הם יצורים שמסתגלים לכל עיוות ושיבוש, אנחנו לומדים לתפקד בתוך השגיאה הזאת. אבל האני העצמי שלנו, שזנחנו אותו, שנטשנו אותו, ממשיך לשלוח אלינו פולסים כאלה של כאב ושל עלבון, ואפילו של אבל, כי מישהו נרצח שם, חלק מאיתנו נרצח שם. וכמה זה נדיר כשאנחנו זוכים להתאחד עם... הזהות האמיתית שלנו, ולהפסיק לשקר ולהיות אנחנו עצמנו. וכשאני אומר את זה, אני חושב שזה מתאים לא רק ליחידים, אלא לפעמים גם חברה שלמה, גם עם שלם, יכול לחיות בגלל איזו טראומה שקרתה לו, למקום שהוא מקביל לזהות האמיתית שלו, האותנטית שלו. J'ai déjà tellement parlé ce soir, mais je voudrais revenir à la question qui a été posée autour du destin. Euh, dans euh, Un cheval entre dans un bar, Dovalet est un homme qui vit en fait en parallèle au destin qu'il aurait dû avoir. Et il vit en parallèle au caractère qu'il aurait dû avoir et qui est son vrai euh, parallèle. Peut-être parce qu'il lui est arrivé certaines choses quand il était jeune, peut-être parce qu'il a perdu un de ses parents, euh, et je ne dirai pas lequel, euh, parce qu'il est devenu donc orphelin d'un de ses parents si jeune, euh, peut-être parce qu'il lui était très difficile de rester ce gar gentil garçon, fin et sensible qu'il est, et qu'il a développé un genre de croûte autour de sa cicatrice, autour de la blessure, et qu'il s'éloigne justement de tout ce qu'il aurait dû être, du destin qu'il aurait dû avoir. Euh, je, 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 je pense qu'avoir le privilège d'être vraiment soi n'est pas donné à tout le monde, et c'est de cela aussi que je parle dans ce livre. Beaucoup de gens mènent une vie qui est parallèle à celle qu'ils auraient dû. Mener. Par exemple, des gens qui vivent en couple et qui se sentent tout à fait seuls et solitaires dans ce couple. Je sais que ça n'arrive pas à Paris, ça c'est la ville de l'amour, tout est parfait ici. Mais bon, ça peut arriver ailleurs. Ou encore des personnes qui exercent un métier qui ne les satisfait pas. Et à ce moment-là, ils souffrent. Pendant qu'ils travaillent, ils s'ennuient à leur travail. Ou encore des personnes qui ne sont pas dans le corps, qui ne sont pas dans un corps qui a le genre qu'ils voudraient avoir. Et puis, avec le temps, on arrive à vivre et à bien fonctionner avec et malgré cette erreur. Mais le vrai moi, celui que l'on a mis de côté, celui que l'on a refoulé pour justement pouvoir vivre, avec cette erreur. De temps en temps, il se manifeste. Il se manifeste par des petits chocs de douleur ou peut-être même avec une sensation de deuil qui s'installe en nous parce que nous avons renoncé ou en quelque sorte tué un vrai moi. Alors euh, voilà, euh, c'est un vrai privilège d'être soi-même et dans l'identité que l'on a et de ne pas vivre dans le mensonge. Et lorsque je dis cela, eh bien je ne le rapporte pas uniquement à des individus. Je pense que cela peut également arriver à toute une population ou à un pays de ne pas vivre le destin qu'il aurait dû vivre à cause d'un traumatisme qui lui est arrivé et par lequel il est passé, et qui l'empêche justement de vivre sa vraie vie, et il continue à vivre en parallèle à ce qui devrait être sa vraie identité. دغه څه ده Euh, bon, pour finir, euh, je, 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 peut-être pour te remercier, je me suis dit que j'allais te raconter une blague arabe. et que ça sera une façon d'achever cette journée. c'est une blague, euh, voilà simple. c'est euh, mohamed et ali qui sont tous les deux assis euh, à un café. mohamed dit à ali, ali, euh, le noir, c'est une couleur. Ali dit ben Non, Mohamed, le noir n'est pas une couleur. Le noir est l'absorption de toutes les couleurs. Il dit non, Arrête ton histoire, le noir est une couleur. Il décide d'aller voir l'imam. Ils vont voir l'imam Bonjour, imam. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Ali. Euh, le noir, c'est une couleur. On va regarder le Coran. Le Coran chut, 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 chut. le noir, noir, couleur. Le noir est une couleur. Bon. Le lendemain, Mohamed et Ali sont à la table du café. Mohamed dit à Ali Le blanc, c'est une couleur. Il dit non, attends, le noir c'est bon, d'accord, mais le blanc c'est pas une couleur, c'est l'addition de toutes les couleurs. Même discussion, on va aller voir le imam. Ils vont voir le imam. Imam, bonjour imam, euh, bonjour Mohamed, bonjour Ali. Euh, le blanc c'est une couleur euh, bon, On va aller voir le Coran. Le Coran, ils ouvrent le Coran, Chut. blanc, couleur. Bon. Ils retournent tous les deux au café, après un long silence, Mohamed dit à Ali Mais tu vois Ali la télé noir et blanc que je t'ai vendue, c'est une télé couleur. Bon. C'est pas évident de raconter une histoire devant une salle complète, pas évident. Bon. Je voudrais avant tout euh, vous remercier, Margit euh, Lipsker, pour la magnifique euh, traduction. Vous dire aussi que la soirée à laquelle vous venez d'assister est une soirée qui fait partie aussi de Lettres d'Israël, qui est un festival euh, qui, euh, qui permet de, de, de rencontrer les, euh, les artistes israéliens à Paris. Et pour cela, nous avons eu une aide vraiment très importante pour l'organisation de cette soirée. Je voudrais, à ce, ce niveau-là, remercier toute, toute l'équipe de l'ambassade d'Israël ici à Paris, et particulièrement Elinor Agam, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Vraiment. Euh, vous dire donc de vous rappeler que demain à 20h30 et dimanche à 15h30, il y aura donc euh, la lecture, un enregistrement public d'un cheval entre dans un bar avec euh, Jérôme Kircher dans le rôle de Dovalet. Euh, venez, vous allez voir, c'est passionnant parce que c'est une captation qu'on réentendra. D'ailleurs, la rencontre qu'on vient d'entendre sera retransmise euh, sur France Culture, euh, euh, je ne sais pas quand, mais. Merci beaucoup. Le 8 octobre, cette soirée va être pas au complet parce qu'on va devoir faire des coupes, évidemment, mais au moins, vous pourrez la réentendre. Euh, voilà. Je, il ne me reste plus aussi qu'à vous remercier. On n'a pas pu poser toutes les questions qu'on voulait poser, mais au moins, votre présence et le travail que vous avez fait compte. et on reprendra cette cette euh, formule-là, et on l'améliorera de plus en plus au fur et à mesure des rencontres. Mais je veux vraiment vous remercier pour votre implication à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Euh, nous allons nous retrouver, si vous le désirez, euh, Autour de la Gamelle des chefs, qui est le restaurant du bar de la Colline. Euh, si vous le désirez aussi, les livres de David sont à la librairie qui est tenue par Antoine, notre libraire. Et d'ailleurs, il y aura une table et une chaise où David sera. Si vous voulez faire signer, par exemple, vos livres, eh bien, David sera là. Et euh, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Et merci infiniment pour votre écoute.